Et bonjour Midi Sard, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Clermont Foot, ouais. Alors je vais pas te cacher que j'ai longuement hésité à le faire ce débrief de merde. Cette vidéo de merde. Y a pas d'éclairage, y a rien. Y a pas de cadrage, y a rien. Comme ce soir, y a rien. Alors oui, on a été euphorique face au PSG. Oui, on a bandé. Oui, on a bandé. Mais là, on a débandé. Ce soir, on a débandé, cet après-midi, on a débandé, on a tous débandé! Ce match que tu dois gagner, ce match qui est abordable, ce match que tu joues contre une équipe moyenne, en respectant Clermont, je respecte Clermont, mais ce match, tu dois le gagner! Je m'en fous de perdre. Je m'en fous clairement de perdre. J'en ai rien à foutre de perdre, que ce soit contre Clermont, que ce soit contre Paris, que ce soit contre le Real de Madrid. Mais quand tu perds de cette façon, où tu ne trouves aucune possibilité, où tu es dans l'incapacité de trouver des solutions offensives, où tu ne fais rien, je suis désolé les gars, mais non! Ce match est une préparation face à Marseille mercredi. C'est une préparation de ce quart de finale de Coupe de France. Alors oui, on avait des absents. Oui! Mais est-ce que le fait que Benitez soit pas là, que Jean-Pierre Todibo ne soit pas là, que Dolberg ne soit pas là, fait qu'on fasse un match aussi dégueulasse? Je vais me calmer, je vais me calmer, je vais me calmer, je vais. Mais à un moment donné, non, les gars, non, je veux bien qu'on perde. Malgré l'exploit qu'on a fait contre Paris lundi, je veux bien qu'on perde, mais pas dans ces conditions. Pas dans ces conditions. On n'a rien fait, on n'a rien donné. Clermont mérite leur victoire. Les Clermontois méritent largement leur victoire, les gars. Ils ont proposé leur jeu. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient bons dans la relance. Ils n'étaient pas mauvais. Clermont n'était pas mauvais dans la relance. Au contraire, ils étaient très bons. Ils ont proposé leur jeu. Ils ont joué en contre, certes. Mais ils nous ont mis en difficulté. À quel moment? À quel moment? On va arrêter de se dire qu'on joue, qu'on a des matchs qu'on joue face à des équipes où c'est des matchs pièges. À quel moment l'OGC Nice va arrêter de craindre ces putains de matchs pièges? On les craint toujours. On les craint toujours, ces matchs pièges. On est deuxième. On est deuxième du classement. On a des ambitions de Champions League, des ambitions européennes, des ambitions de gagner des titres. On recrute des joueurs pour ça. On recrute un entraîneur, le meilleur français actuellement. À quel moment, quelle année, Nice va arrêter? Nice va arrêter d'avoir peur des matchs pièges face à Clermont, face à Metz, face à Lorient, face à Saint-Étienne, face à qui tu veux. Mais à quel moment on va arrêter d'avoir peur de tout ça? Je veux bien, il n'y a pas de souci. J'accepte la défaite. Je l'ai longtemps accepté. Hein. Depuis que je supporte l'OGC Nice, je peux t'assurer que j'ai accepté plus de défaites que de victoires, je pense. Depuis que je supporte l'OGC Nice. Mais pas comme ça. Pas comme ça où tu proposes rien. Je me suis endormi dans le match. Je me suis endormi. Je me suis endormi pendant le match. Je me suis endormi. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Ouais, je suis pas allé au stade. Ouais, c'est bon, je suis pas allé au stade. Et alors, j'ai mes raisons. J'ai mes raisons pourquoi je suis pas allé au stade. Venez pas me faire chier, les gars. Venez pas me faire chier. Maintenant, ça suffit. Bravo à Clermont. Bravo, mais bravo à Clermont. Oh, vous nous avez fait bien redescendre. En tout cas, moi, je suis bien redescendu, là. Là, je suis énervé, mais je suis bien redescendu. Je suis quand même largement bien redescendu, les gars. Me faites pas chier. Je suis redescendu de ce match face à Paris. Et là, le match...
J'avais aucun doute sur ce quart de finale face à Marseille. Tu vois, j'étais serein, j'étais confiant. Là, cet après-midi, là, je suis plus confiant du tout. Là, j'ai un petit problème. Je me dis, est-ce qu'on va faire deux fois l'exploit? Parce que Marseille, eux, ils sont allés gagner 5 à 2 contre Angers en étant menés 2 à 0. Ils sont allés chercher la victoire 5 à 2. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire mercredi? Non mais, on n'est pas en crise, les gars, loin de là. Mais face à ce match où tu es en capacité de t'endormir quand même, hein, où tu proposes rien, où tu félicites largement l'équipe adverse, parce que vraiment, bravo à Clermont ce soir. Bravo à Clermont cet après-midi qui a démontré beaucoup plus de combativité, beaucoup plus de détermination que l'OGC Nice. Parce que je maintiens encore une fois que la Coupe de France, pour moi, je dis bien pour moi, les gars, pour moi, la Coupe de France n'est pas une priorité et que je préfère 100 fois être qualifié pour la Champions League l'année prochaine. Parce que c'est comme ça que tu construis une équipe. C'est comme ça que tu attires des joueurs de renommée, d'expérience. Et c'est pas en gagnant la Coupe de France. Non. Non. Tu attires des joueurs en jouant la Champions League en ayant des ambitions européennes. Donc je préfère lâcher largement la Coupe de France pour aller me qualifier chaque année en Champions League et dans les années futures faire des résultats. Si on ne le fera pas, les résultats de la première année. Et on n'attirera pas des grands joueurs dès la première année. Mais c'est comme ça qu'on construit une équipe. Sur ce, Amit Nistar, on se retrouve mercredi soir pour le débrief face à Marseille sur ce Ciao Viva la Bayetta. Je suis épuisé.